se retrouve pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vlogué, hein, Louloute? Oui. Alors, c'est bientôt un jour exceptionnel. L'anniversaire de Corentin. Et oui, c'est bientôt l'anniversaire de Corentin. Donc là, on est parti dans une zone commerciale. Et on est venu acheter les cadeaux de Corentin. Et oui, on est venu acheter les cadeaux de Corentin pour son anniversaire qui est quand? Le 29 janvier, les amis. Donc là, on est go. Là, il y a plein de magasins. Il y a Cultura, il y a des magasins de jouets, etc. Donc on y va, on vous amène avec nous. Allez, let's go! Let's go! On va où, Louloute? Là? Ici? Au magasin de jouets, là? Tu crois qu'on va trouver quelque chose pour ton frère? Oui! Oui? Mais c'est pas là l'entrée, là, c'est la sortie, Louloute. C'est marqué en gros sortie en plus, mais tu sais pas encore lire. Alors là, on est devant un magasin de jouets, ben, on y va. Est-ce que tu as une petite idée d'abord de ce que veut Corentin? Oui. Oui? Oui. Allez, bon, on y va. On pousse les portes. Je crois qu'elles sont lourdes, lourdes, lourdes. Allez, allez, allez. On est à l'intérieur du magasin de jouets et là, on tombe devant une montagne de jeux de société avec Monopoly, Scrabble et Bon Chance. Même des jeux pour filles. Peut-être ça pour Corentin, non? Non. Non. Et on regardait tout en haut. Et tout en haut, on a quoi? Un Playmobil. En plus, ça tombe bien parce que c'est les soldes. Ah ouais, ça c'est cool. Alors, est-ce que tu vois quelque chose ici? On va peut-être faire le tour du magasin, non? Oui. Ouais, hein. Allez, bah, je te suis parce que moi, je connais pas trop. Hein. T'as trouvé? On est à quel rayon, là? Playmobil, ah oui, c'est vrai que Corentin aime bien les Playmobil. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme Playmobil ici? Surtout pas ça. Non, surtout pas ça, mais pourquoi pas? À la limite, hein. Ouais. Ils sont super grands ces Playmobil, dis donc. Oui. Tu veux voir, mets-toi à côté pour voir. Moi je suis quand même plus grande. Hein. Ouais, quand même, tu fais la taille de deux Playmobil, t'imagines? Non. Non. Allez. Pas la taille de deux Playmobil. Un Playmobil et demi. Deux Playmobil sont plus grands que toi, t'imagines? Ouais. Alors, est-ce que tu vois ce qu'il voudrait? Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas là? Alors, ça, il n'a pas les Viking Dragons. Je sais ce qu'il voudrait. Tu sais ce qu'il voudrait? Le bateau pirate, il l'a. Ça. De quoi ça? Mais oui, c'est ça que Corentin avait repéré depuis un moment déjà. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la maison de Ghostbusters. Là. Je vais vous la sortir. Ouais, mais elle est plus grosse que toi, bientôt la voix, dis donc. Comme l'autre Playmobil. Dedans, il y a bien sûr la maison, à mon avis, les deux étages vont s'assembler, à mon avis. Premier étage, deuxième étage, et tu tournes la boîte un peu pour voir ce qu'il y a. Ah, maintenant, regarde là. On peut mettre la voiture à l'intérieur. Alors, je pense qu'elle est vendue séparément, la voiture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, fais voir. Wow, il est énorme. Wow, il y a tout ça. Regardez tout ce qu'il y a là, les amis. Est-ce que tu crois qu'on prend ça, Corentin? Il y a même du slime. Il y a des traces, des taches de slime. Alors, est-ce que tu crois que tu prends ça, Corentin? Non. Non? Non. Non? Oui, non. Je prends quand même une chose un petit peu plus petit. Oh, tu peux prendre ça si tu veux. Hein. Si ça te fait plaisir de prendre ça, tu peux. Hein. Ouais. Tu es raisonnable, je vois. Mais si ça te fait plaisir de prendre ça, on prend ça. Qu'est-ce que t'en dis alors? Non. Non? Tu veux voir autre chose? On va faire le tour? Oui, ouais. Tu vas voir si autre chose va nous plaire. Ok. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le gros bateau pirate de Playmobil. Il est vraiment géant, le bac. Hein. Il est super, super grand. Mais Corentin, on a un qui ressemble à ça déjà. Oui, mais oui, hein. Pas avec ça, ni ça. Non, il n'a pas le repère des Playmobil. Alors, c'est où non. Ça? C'est en dessous? Non, en dessous, c'est la grosse pyramide. Elle est énorme aussi. Oh, ça pourrait lui plaire, ça aussi, pyramide. Regarde en dessous, Louloute. Il aime bien tout ce qui est, pyramide, pharaon. Mais ça, à ma vie... Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Est-ce qu'il y est, là, le repère? Non, non, il y a plein de petites boîtes Playmobil. Regarde ça, c'est quoi ça? Il est... On dirait qu'il est décommandé, je sais pas, c'est bizarre. Ah non, Super 4.
On peut flasher le col. Bon, ça doit être nouveau, ça je connais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires, un petit copain, si vous connaissez les Super 4. Alors. Les écoffiers, donc ça c'est pour les plus petits. Si c'est les princesses. Et il n'y a que ça en Playmobil. Alors là derrière, on a encore d'autres choses. Mais ça, bon non, ce sont des méga blocs. Ah, ben voilà encore des Playmobil là. Regarde là. La grosse maison de campagne. Non, c'est avec de l'escalade, un mur d'escalade. Non, ça doit être une classe de découverte, Louloute. Un igloo pour les Playmobil Action. Des voitures. Des voitures Playmobil Action, mais elles sont trop trop chouettes. Et ça, regardez. Waouh. Et ça, ça va dans l'eau. Ok. On peut vraiment mettre un plafond ici. Et là, regarde ce qu'il y a là. Un aéroport. Ouf. Playmobil City. Il est gros celui-ci aussi. On veut que je montre ce qu'il y a derrière. Tu veux nous montrer ce qu'il y a derrière? Bah, si tu veux. Là. Toi, tu regardes que les grosses boîtes de Playmobil, dis donc. Hein. Elle est très légère, mais par contre, elle est grosse. Boum. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, alors? Montre-nous un peu. Oh, elle est à l'envers. Oh, c'est pas grave, elle est à l'envers. Oh, il va falloir mettre en droite, alors. On dirait que c'est Noël, Océane. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, petite. Wow, alors, il y a un poste de... Là, il y a un garçon. Un garçon. Avec la clé. Ouais. Une fille. Et là, on voit combien ils mettent les E. Combien ils mettent? Non. Combien ils mesurent? Combien ils mettent? Ils mesurent, voilà, tous les pieds m'ont vu. Ils mesurent comme ça. Il mesure 7,5 cm, comme tous les Playmobil, à part les bébés et les enfants. Il y a plein de bagages, des caméras, etc. Là, il y a un grand fille, après là, un garçon, un sac de valise, une autre valise, on a vissé le truc pour faire la vaisselle. C'est le chariot, dans l'avion, c'est le chariot. Ouais. Alors ça, c'est un... Là, c'est oui. Pour payer. Ça, c'est la tour de contrôle, en fait, de l'aéroport. C'est de là qu'on dit si les avions peuvent décoller ou pas, Louloute. D'accord. Voilà. Là, c'est pareil. Hmm, ben oui, c'est tout une tour de contrôle. Alors, Louloute, est-ce que tu crois que Corentin, il veut vraiment ça? Est-ce qu'il avait vraiment vu ça? Non, hein. Il avait vu quoi, plutôt? La tour de Ghostbusters. Ouais, il avait vu la tour de Ghostbusters. Alors, quel choix est-ce que tu vas faire? La tour de Ghostbusters. Ah oui, hein, parce que je pense que ça lui plaira plus quand même. Je crois que tu regardes pour toi quand même là. Ça te plaît ça? Moi je préfère les trucs de princesse. Ok, bon. Alors on va vers la tour de Ghostbusters alors? Oui. Ça y est, on est retourné à la tour des Playmobil Ghostbusters. Donc on y va, on va prendre ça, on va mettre ça dans le petit panier. Puis après on va faire encore le tour du magasin parce qu'on va pas prendre qu'un seul cadeau. Hein. On va en prendre plusieurs, hein. On va prendre un panier d'abord. Non, on va prendre un panier d'abord. Ouais. Allez, on va mettre ça dans le panier. Bah, prends-le en même temps qu'on prend le panier alors. Alors là, on est de retour dans un rayon Playmobil. Mais ça, on l'a déjà. Enfin, sauf surtout ça. Le parc aquatique, on l'avait déjà eu à Noël. Mais sauf ça. Et ça, on l'avait pas. Mais est-ce que tu crois qu'on va prendre que des Playmobil à Corentin? Non, peut-être des peluches. Peut-être des peluches? Peut-être des puzzles. Peut-être des puzzles. Alors, est-ce que c'est là les puzzles et les peluches? Non. Alors, c'est où? Alors, les peluches, il y a des peluches Pokémon, déjà ici. Hein? Pokémon? Oui, c'est vrai qu'on aime bien Pokémon. Alors, là, les... Une petite Pokéball. Ouh, il est en colère, ce Pikachu. Moi, j'ai un Pikachu, déjà, de Noël. Il est en colère, regarde comme il est en colère. Il est pas content du tout, hein. Là, on a aussi des boosters Pokémon, on a plein de boosters. Là, nous avons un Pokémon que je connais pas. Alors ça c'est alors dites-nous dans les commentaires, je m'y connais pas trop bien en Pokémon. Je crois que c'est Tentacool. On va voir. Eh non, loupé. C'est Piatop. Ok. Bon ben bah voilà, je me suis trompée encore une fois. Après nous avons encore des Pokémon. Mais comment le giga coffret Pokémon, il est trop bien. Un goût tirant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de booster avec Corentin. Ouais, il adore les boosters. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà ouvert ce coffret, il a l'air gigantesque. Là, nous avons les mêmes Pikachu. Alors, fais voir celui-ci.
Alors celui-là, c'est un coffret qui contient 1, 2, 3, 4 boosters. Waouh, il a l'air trop trop bien. Bon, on va voir. Est-ce qu'on prend un coffret à Corentin Pokémon ou pas? Non, je pense pas. Non, tu vas voir. Non. Ok, bon. Ici, on se retrouve dans le rayon des constructions avec des mécanos. Alors, Corentin, il a jamais essayé encore ça, les mécanos. Mécano Junior, je pense que ça ne serait tardé. Il connaît Maman, pas. Oui. Regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais ça, c'est comme les pelles à repasser. Minecraft à repasser. Non, c'est du Kixel. Waouh. Ça, c'est chouette, ouais. Ça, c'est chouette. Ça ressemble un peu à Minecraft, c'est pixelisé comme ça. Là, on a les jeux de construction. Comme je disais, quand on aime bien tout ce qui est construction. Donc là, il y a Mécano, il ne connaît pas encore. Les jeux aimantés, les GeoSmart. Nous avons toujours des mécanos. Les Géomag. Alors, Corentin joue beaucoup au Géomag. Allô, Loutre, tu joues beaucoup toi aussi au Géomag. Venez voir. Qu'est-ce que tu as vu? Tout en haut. Waouh, elle est énorme. C'est une voiture faite en mécano, les amis. Elle est juste énorme. Elle est trop trop belle. Est-ce que tu crois qu'elle est à vendre? Non. Non, je crois que c'est pour la déco. Hein. Non, dommage. Sniff, sniff, sniff. Alors, je reviens à mes moutons. Je disais, ici, il y a plein de Géomag et Corentin et Océane. Adore jouer à ça chez leur papy Michel. Eh oui. Là c'est pour filles, là c'est pour garçons. Alors ça ce sont pas les Géomags, ça ce sont les Magformers. Oui. On prend ça Corentin? Garçon plutôt pas fille. Garçon plutôt pas fille. Bon on va voir, on va faire un petit tour. Parce que je sais pas s'ils jouent à ça, ils jouent plutôt Corentin au Géomag. On va voir aussi faire un tour des Lego parce qu'on n'est pas allé voir les Lego. Ils sont où les Lego? Lego. Ah je les avais, ils sont juste derrière. Le monstre là-bas. Oh, m'a fait peur à moi aussi, hein. Oh là là. Il fait peur, il. Ouh, mon dieu, Bionicle. Ouh, il fait peur celui-ci. Ah oui, il est grand, hein. Oh là 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 là. Il va toucher, à mon avis. Oui, fais gaffe, il va te mordre, hein. Non. Si, si. C'est comblé de peur. Mais non, il ne tombera pas, loulou. Ça, il est trop beau. Regardez. Tu touches toi. Tu veux toucher, toi? Oui, je peux le toucher, regarde. Touché. Il m'a même pas mangé le doigt, t'as vu? Ça, elle a la peur. Ah, il m'a fait peur. Alors là, on a tous les Lego Star Wars. Alors, Corentin, on a déjà. J'ai froid. Il a des personnages. Il a le Millennium Falcon qui n'est pas là d'ailleurs. Donc là, il y a tout le rayon Star Wars. Il est immense. Ici, il y a tous les personnages que Corentin aime bien de Star Wars. Et en plus, ils sont en solde à moins 50%. Donc là, ça vaut le coup. Donc je sais pas si on va aller en prendre un. Hein. Oh, regarde Dark Vador. Mais il l'a déjà. Il l'a déjà. Non, je crois pas que ce soit lui. Regarde Chewbacca comme il est rigolo. Il fait un petit sourire. Il est marrant. Il est trop marrant. Regarde ce qu'il y a derrière toi. Ah. Lego le film. Hein, Corentin a adoré ce dessin animé. Puis il a adoré aussi le jeu vidéo parce qu'il joue aussi au jeu vidéo. Et d'ailleurs, sur un Lego jeu Minecraft vidéo. Minecraft, Lego Minecraft. Wow. En même temps, hein, Minecraft, ça peut être que des Lego. Ça ressemble vraiment aux Lego. Ils sont trop chouettes. Est-ce qu'on regarderait plutôt les jeux vidéo? Parce que Corentin, il faut savoir qu'il aime bien les jeux vidéo. Et il n'en a qu'à Noël et son anniversaire. Oui. Eh ouais. Donc c'est l'occasion jamais dû en et prendre un. C'est moi qui avais offert des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est toi qui avais dû en faire. Avant.